Gouvernement Barnier, le ministère de l'immigration de retour ? Matignon dément. France Info avait expliqué, quelques heures plus tôt, que Michel Barnier envisageait la création d'un ministère de l'immigration. Le Premier ministre Michel Barnier n'envisage pas de créer un ministère spécifiquement dédié à l'immigration, a indiqué lundi Matignon. Un peu plus tôt, France Info avait affirmé qu'il réfléchissait au retour d'un ministère de l'immigration. Cet intitulé n'existe plus au sein du gouvernement depuis 2010. Le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, selon l'intitulé de l'époque, avait été créé en 2007 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Ces deux titulaires ont été Brice Hortefeux puis Éric Besson. Le chef du gouvernement se méfie des effets d'annonce et veut traiter avec sérieux le sujet de l'immigration, ont fait valoir ses services. Sur la méthode, comme sur les contours de cette politique très importante pour les Français, il réfléchit aux moyens les plus efficaces pour obtenir des résultats, a-t-on ajouté. À peine nommé, M. Barnier avait cité, vendredi, parmi ses priorités, la « maîtrise des flux migratoires ». Fin 2021, pendant sa campagne pour la primaire des Républicains en vue de la présidentielle de 2022, il avait défendu des positions très fermes sur ce sujet, en proposant notamment un « moratoire » sur l'immigration et le durcissement des critères du regroupement familial. Sarcasme et indignation à gauche. L'hypothèse d'une résurrection du ministère de l'immigration a suscité lundi les sarcasmes ou l'indignation à gauche. Pas de doute, c'est le virage humaniste attendu par les Français mobilisés lors du Front républicain, a ironisé sur X le patron du Parti socialiste, Olivier Faure. Un tel projet aurait révélé les « dividendes versés au RN », a commenté sur le même réseau social l'élu du groupe écologiste et ex-insoumise Clémentine Autain, en référence à la promesse du parti d'extrême droite de ne pas censurer a priori le nouveau gouvernement. Ça commence fort. Même Stella Dupont, issue de l'aile gauche de la majorité sortante macroniste, s'est indignée, ça commence fort. C'est une priorité dans le moment et dans le contexte. Le cas échéant, c'est une chouette idée pour rassembler, à l'extrême droite, s'est-elle exclamée. Quant au RN, il a estimé sur X que les Français attendent des actes plutôt que des mots. Le ministère de l'immigration existe déjà et s'appelle le ministère de l'Intérieur, a observé le président du parti, Jordan Bardella.